dans la joie d'être là. Amen. Vraiment, je vous bénis, Vous avez une bonne belle église, une bonne église. Et bien, j'ai une expérience à vous dire. Comme le premier cantique qui a été chanté, là, ça a résonné dans mon cœur. Je sais bien comment ça va avec la pensée que le Seigneur me donnait. Il y a quelques temps derrière ça, j'étais à la Réunion, à Lorient, avec Cathy. Et quand on est revenu de la Réunion, je l'ai déposé chez elle. Et elle me dit j'ai un mauvais pressentiment. Et tout de suite, je l'ai pris au sérieux, ce qu'elle a dit. Alors, elle a une vieille mère, elle s'est agacée pour sa mère, son nom aussi. Et puis, voilà, je l'ai déposé. Dans l'auto, le long de rentrer chez moi, il y a vraiment pas loin, quoi. Et je lui disais, Seigneur, peut-être que tu nous veux bien, il faut qu'on puisse dans nos familles, ils sont peut-être en danger. Et je lui disais, Seigneur, ben, bénis mes petits, c'est une grande victime, on se fait regarder ma famille. Et une petite prière toute simple, comme ça, j'avais pas beaucoup de temps. Moi, j'ai un foyer partagé, puis. L'heure comme à nous, on est ben, j'aime pas trop, faut pas trop que je rentre trop tard. Et puis Seigneur, je disais, voilà, petite prière tout simple. Je dis, Seigneur, j'ai assez la foi pour croire que malgré une toute petite prière comme ça, t'es capable de garder ma famille. Et le lendemain, j'ai appris que mon petit avait tombé sur la tête. Et qu'il a été à l'hôpital et qu'il est resté 6 heures en observation. Et avec la grâce de Dieu, il a rien eu du tout. Amen.